C'était le chant de la liberté inspiré librement de Albator 84. La chanson se nomme le chant de la liberté et c'est un des passages que je préfère le mieux, que j'écoute beaucoup, qui est très émotionnel et fait beaucoup pleurer au départ. C'est un peu un chant un peu mélancolique. Mais en même temps, ça permet de libérer beaucoup d'émotions du passé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Je continuerai mes chants de l'âme afin de guérir de ma maladie mentale. Et j'ai découvert qu'en fait, en faisant le chant intérieur de cette musique, cela me guérissait aussi. Et cela me permettait d'atteindre un nouveau seuil de bien-être que je n'atteignais pas avant. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée et mettez un pouce, hein, ça encourage toujours. Parce que pour l'instant, j'ai que 14 abonnés et je pense que ça peut exploser à tout moment. Je vois des gens très développés dans le monde spirituel qui ont plus de 2000 personnes ou 1500 personnes et ne sont pas à un niveau supérieur à moi. Bon, le supérieur et l'inférieur, on peut relativiser, mais bon, je trouve que par rapport à ce que j'apporte, un chant qui me guérit et qui guérit les autres, j'ai pour l'instant très peu de reconnaissance. Mais bon, j'y crois, je continue.